Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Rafa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel. Pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors, ça, évidemment, c'était pas tout à fait prévu, mais c'est pas grave, c'est. Voilà, hop. Hop. On va mettre les barbares pour contrer ça. Hop, on va attendre qu'ils mettent la boule de feu. Qui ne met pas d'ailleurs. Ok. Que nous on va mettre. Et hop. Ok, donc nous on va faire ça. Hop. Voilà. Tranquillement. Et donc, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons tout simplement faire un défi en multijoueur. Oh my god. Oh my god. Ça sent le l'égalité maintenant. Oh là là. Ouh. Bah juste à temps, hein, les amis. Je pense qu'il va nous mettre sa petite horde de gargouille. Voilà, tout simplement. Hop. Tac. Oh merde. Oh, il fait chier. Ouais. Ce serait bien de détruire les gargouilles déjà. Bref. Donc, un partout. J'ai assez mal joué. Je joue comme une merde. Plus précisément. Et bref. Donc on va pas le laisser gagner. Non, non, j'ai pas le droit de le laisser gagner. J'ai pas le droit. Hop. Hop. Et voilà, tu ne feras rien, mon ami. Tout simplement. Et voilà. Et là, nous allons faire le combo que j'adore. Voilà. Ah, il contre. Il contre pas, les amis. Et il contre pas, mon chevaucheur. Et va-t-il contrer le mini PK? Hop. Qui met tout de même un coup, donc ça fait plaisir. Hein. Évidemment. Hop. La TDE qui fait plaise également. Hop. La TDE qui prend d'ailleurs aucun dégât. Hop. Ouh. Et voilà, on en remet un petit coup. Voilà, ça fait plaisir. Donc, sans trop m'avancer, je dirais que j'ai gagné. Ouais, je m'avance. Non, je m'avance pas là. Parce que je suis. Bah, au moins, je vais avoir 2 étoiles. Hop, tac. Tac. Ah, bien joué, les petits gobelins à lance. Ouais, bien joué. Donc, mais normalement, ouais, ça va être la win, je pense. Hein. Parce que là, il va falloir qu'il défende un max et il n'a rien. Et il n'a rien. Et il a. Et il a. Et il a que ça. Et ça va être compliqué parce que. Voilà. Bon, allez, les amis, qu'est-ce que vous pensez de la méthode bâtard? Vous savez, c'est quoi la méthode bâtard? Bah non, vous savez pas. Bah non. Et non. Et non, vous savez pas ce que c'est la méthode bâtard. Bah vous avez. Vous comprendrez. Vous allez comprendre ce que c'est et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Et juste après ce combat, ne vous inquiétez pas, on arrivera au défi faire que des bâtiments en multijoueur, hein, bien sûr. Ce serait trop beau sinon. Trop beau, trop facile, tout ce que vous voulez. En tout cas, ce serait pas marrant. Donc, voilà. Hop, on va mettre ça. Hop, on va mettre ça. Lui, il va crever. On va mettre ça. On va mettre ça. Vous allez voir, on va faire la méthode bâtard. Ouais, bah tu veux jouer à ça. Si tu veux jouer au zap, hein, on peut jouer au zap. Hein. Allez, on va mettre un petit chevaucheur quand même là-haut. Hop, on va mettre les barbares. Tranquillement. Voilà. Le chevaucheur qui fait quelques dégâts. Hop, on va mettre. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas ce qu'on va mettre. Si on va mettre ça, on va mettre la boule de feu.
Ouais, j'aurais. Non, j'avais pas mal de temps à faire. Ouais, bah, si tu veux, hein. Ouais, hop, je vais tout niquer. Oh, j'avais pas vu le mini P4, tu sais, je me dis, what the fuck, pourquoi il y a un mini P4? Hop. Eh ben non. Eh ben non. T'es déçu, mon gars. Bon. Hop. Hop. Voilà. On va la jouer en mode gros bâtard. De ses morts. Hop. Toc. Oh putain. Je voulais mettre le zap à la dernière seconde, mais son chevaucheur m'en a empêché. Puis en plus, j'avais usé mon zap et tout. Bref, c'était la merde. Bon, les amis, on va enfin arriver au. Coucou YouTube. On va enfin arriver au défi. Donc, on va se faire un deck full bâtiment. Sauf une seule carte. Et on va essayer de gagner en multijoueur. Regardez, les amis, ça va être. Alors, les amis, on va prendre. Ouais, déjà, on va. Ça fait combien de dégâts? Combien en plus? 39, ouais. Bref, on va utiliser la roquette. C'est la seule carte qui ne sera pas un bâtiment. Ensuite, on va utiliser le mortier. La Tesla. L'arc X, voilà, je le cherchais. Vous voyez, l'arc X, ça peut toujours être marrant pour quelques petits défis comme ça, vous voyez. Voilà, je vous fais ce petit défi parce que franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous faire des défis comme ça. Et j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Et prouvez-moi-le en me mettant 20 likes. Si vous m'explosez même cette barre des likes, eh ben, je vous referai une vidéo dessus. Allez. Et genre, on va mettre le miroir parce que je considère ça comme un bâtiment parce que c'est quand même, c'est pas une troupe donc c'est un bâtiment et c'est pas un. Ah, c'est un sort, ouais. Ouais, c'est un sort, ouais, non. Ça aurait pu être marrant, mais non, pas grave. Attendez. 4-3, non, c'est bon en fait. J'allais dire pourquoi pas mettre un extracteur d'élixir. Bah, ça dépend ce que je mets en fait. Je pense que on va se. Ouais. On va voir, hein, les amis, au pire. On va juste ouvrir le coffre gratuit, pas le coffre en argent, parce que je prépare un petit pack opening gratuit à nouveau. Avec coffre géant, coffre en or, coffre en argent. Bref, la totale et peut-être même le coffre à couronne, les amis. Attention, ce sera un gros pack opening. T'es dans un tournoi, pardon. Et bah, moi, je réponds non. Bien sûr que non. Non. Et donc, on va combattre. J'ai 1125 trophées, je risque pas de redescendre. Voilà, c'est un petit truc comme ça, c'est un petit deck troll petit. Donc, on va commencer. Ok, à faire ça. Et après, on va mettre ça. Je suis trop con. Bref, voilà. Je vais tout simplement m'installer. Je crois qu'il a compris. Il s'est dit, what the fuck, pas possible. Allez. Ah, il a compris, les amis. Oh, c'est pas grave. Hop. Hop. On va tranquillement mettre notre mortier. C'est trop con, lui. Lol. N'empêche, c'est assez marrant, regardez. Hop. Hop. Bon, on va mettre la roquette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Oh my god. L'arbalète ambulante. Oh. En fait, j'ai jamais utilisé ma roquette, vous voyez.
Non, on va le faire sur une tour comme ça. Hein. Bon, on va pas le faire sur la tour du roi, la flemme, mes amis. Le con, il a réveillé mon roi, cet enfoiré. Ce con. Bon, bref. On va mettre ça. On va, alors là, je vais m'amuser. Hein. Les amis, là, on va s'éclater. Mais lui aussi, en fait. Et ça me plaît moins. Tu sais que moi, je m'éclate, ça me dérange pas. Mais que lui, il s'éclate, du coup, ça me dérange un peu plus. Wouah! Ah, les dégâts que ça fait! Je savais pas que ça faisait autant mal. En fait, je suis assez con. Je suis vraiment con, moi. Hop, ensuite on va mettre ça. Touche pas à mon roi, touche pas à ma tour, toi. Enfoiré. D'où tu touches à ma tour? De quel droit touches-tu à ma tour? On va mettre l'extracteur d'élixir. Bon, ça va être la loose, je pense. Ça va pas être la win. Bref. Oh! Oh non! Sale. Sale enfoiré! Les amis, c'est assez cool. C'est assez cool en fait. Ouais, c'est marrant, je trouve, hein, les amis. Franchement. À faire. C'est à faire comme ça pour s'éclater. En plus, vous voyez, je vais peut-être pas perdre. Alors, voilà quoi. Hop. Voilà. Je te baise. Je t'en peux. Hop. Et voilà. Oh la vache. Par contre, ça fait mal quand même le mortier. Hein. Donc voilà ouais, les amis, c'est la fin de ce petit défi. Donc voilà, on n'a pas perdu déjà, c'est déjà ça. Peut-être que si j'avais mis ma roquette... Parce que j'en trouve pas tout... Parce que je... Non, merde. Parce que j'en trouve pas tout simplement. Voilà. De bien. Alors, voilà, les amis, on s'est fait ce petit défi tout sympathique. Vraiment, c'était pas mal cool. Donc, je vais bien reprendre mon deck, quoique. Hein, je peux faire une égalité. Mais bon, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire sympa, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!